the chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. De retour sur WeSL. Et avant de lancer la vidéo, je te demanderai juste de t'abonner ici. Mais ça, tu le sais déjà. Alors aujourd'hui, je suis vraiment fier, honoré de recevoir un brother qui œuvre depuis longtemps. Un philanthrope, un militant, un homme de cœur, un écrivain, l'homme qui n'est plus à présenter, celui que l'on nomme Kemi Seba. KS. Bonjour mon frère. Comment tu vas, brother? Toujours. Ça va très bien. Fatigué, peu dormi, je suis là pour un très très court séjour. Ouais. Mais content de te voir. Plaisir partagé. Sache que c'est un honneur, brother, de te recevoir parmi nous. Et d'ailleurs, c'était très rapide. Et ça, je tiens à te remercier. KS, dis-moi, brother, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le peu de personnes, pour le coup, qui ne te connaissent pas? Bon, très rapide, parce que tu m'as écrit au moment où il était déjà prévu qu'on vienne pour rencontrer des aînés. Excuse-moi, pour rencontrer des aînés qui nous soutiennent dans le combat, des papas, qui me soutiennent beaucoup. Et donc, on s'est dit qu'on va caler ça durant les 3 jours de notre séjour en France. Voilà. Me présenter, j'aime pas trop me présenter ni parler de moi, mais bon, on va essayer. Kemi Seba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, journaliste politique pour la chaîne de télévision africaine Vox Africa, écrivain, auteur de 4 ouvrages, chef d'entreprise, propriétaire du centre commercial panafricain, Centre Panaf, qui est, donc détient des commerces de produits bio africains 100%, père de famille, chef de clan, et d'après certains, une voix qui est assez entendue en Afrique et dans la diaspora. Ce qui est déjà pas mal. D'après ce que certains disent, ça c'est pas moi qui le dis. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler de ton enfance, de ton parcours? On veut tout savoir, KS. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Écoute, je pense comme nous tous, hein, j'ai une enfance qui ressemble à celle de beaucoup de gens. D'accord. Parce que, tu sais, vivre en Afrique te rappelle toujours le monde réel. On est une jeunesse noire urbaine qui a pu être dans l'Ouest, a pu être dans le ghetto, dans tout ce que tu veux, enfin absolument, dans le ghetto. Parler le langage du ghetto, parler l'argot du ghetto, mais tous les enfants dont les parents africains sont venus en France sont des privilégiés par rapport à ceux du continent africain. C'est une priorité de le rappeler, c'est nécessaire de le rappeler. Moi, mon père, à la base, est un médecin surdoué, qui a été ruiné pendant de nombreuses années parce qu'il a fait l'erreur, entre guillemets, d'ouvrir un cabinet dans un endroit où il n'y avait aucun noir et où le racisme à l'époque était des plus puissants en province. Il a mis énormément de temps à se remettre sur ses pieds, ce qui nous a aussi permis de vivre dans un monde beaucoup plus proche de la réalité, où on était confronté à la négrophobie la plus violente, beaucoup plus que les gens en région parisienne les 14 premières années de ma vie. Je le dis très clairement, quand les gens ils vous parlent de bataille de skins, je souris toujours, parce que nous, les skins, quand on était les seuls noirs dans la ville, dans les villages où on était, les skins, ils avaient les cheveux longs. Mais les coups, les bagarres, les altercations, il n'y a personne pour nous défendre, c'était nous et nous seuls. Donc ça te forme, ça te forge, et ça te permet de comprendre le monde très rapidement. Après, je suis arrivé en région parisienne à 14 ans, avec déjà un long vécu, qui faisait que j'avais, je pense, une vision sur le long terme beaucoup plus précise que beaucoup, à mon sens. Et j'étais déjà très alerte sur les questions liées à la négritude, parce que j'y étais confronté quand tu te fais traiter de sale noire et que tu connais la notion de persécution, entre guillemets, de tentative de persécution quand tu es jeune. Je dis bien tentative, il est évident que ça te forge une carapace. Et donc, ça densifiait mon mental quand je suis arrivé en région parisienne. Et puis, j'ai vu le nombre de noirs qu'il y avait. Je me suis senti chez moi à 14 piges. Et la région parisienne est devenue ma vie. Et quand... Et où t'as atterri en région parisienne? En 92, j'étais entre le périmètre, Pont-de-Sèvres, Boulogne, Meudon. Je voyais beaucoup le grand frère Ali, à qui je passe la paix. Donc, périmètre, Pont-de-Sèvres, Boulogne, Sèvres, Meudon, etc., etc. Et il y avait un terrain où on se retrouvait tous, c'était à Brimborion, c'était un terrain de foot et de basket. D'accord. Où les Ali, les Bouba et tous les petits frères, les Salifs à l'époque, les anciens venaient jouer. Et c'était une belle période, c'était une belle période. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai été mis dehors de chez moi parce que j'étais un jeune garçon ingérable quand j'étais jeune. Et
parce que j'avais une colère contre la société, mais que je ne savais pas exprimer, et que j'ai exprimé à tort par rapport à mes parents, et à raison peut-être par rapport à l'école, que j'ai exprimé d'une manière parfois dure, brutale. J'étais mis dehors de chez moi, je crois qu'ils savaient, j'avais 17 ans. Et ça m'a permis aussi de me rapprocher du monde réel, parce que dormir pendant un certain temps dehors ou aller d'un endroit à un autre, d'accord, te pousse aussi à te fondre dans la réalité urbaine. Mais ça a été, toutes ces étapes ont été de belles écoles. Vraiment. D'accord. Voilà. Et ça a été quoi, KS, le cursus scolaire, parce que on voit cursus scolaire très simple, je te le dis. Mm-hmm. Ma plus grande fierté, c'est d'être un autodidacte. C'est mm-hmm. vraiment mon plus grand diplôme, parce qu'aujourd'hui, je débat avec des gens qui ont des doctorats plus 8, mais qui ne sont pas capables de débattre sur beaucoup de points avec nous, je te le dis franchement. D'accord. Mais à la base, j'ai fait section scientifique. J'étais très fort en maths, en sciences, en seconde. Et puis en première, c'est la période où je me suis posé beaucoup de questions. Notre seconde, c'était une seconde tiers-monde, comme dirait l'autre. Il n'y avait que des Noirs et des Arabes. J'étais bien avec les miens. Et puis, quand j'arrive en première, j'étais qu'avec des babtous, avec des boutons sur la tête. Je les taquine, il n'y a rien de méchant à dire cela. Qui faisait des blagues sur cosinus, sinus, tout ça. Ce n'était pas mon monde. Et à un moment donné, c'était vraiment la période où je me posais beaucoup de questions sur notre peuple, sur notre communauté. Je n'avais pas de réponse dans les mathématiques, ou dans la physique ou la chimie. Et donc, j'ai commencé à sécher les cours. Voilà, clairement. À sécher les cours. Et je me suis beaucoup retrouvé dans la capitale des Noirs à l'époque, qui était le Forum des Halles. D'accord. La place carrée, etc., l'escalator. C'est là où on avait nos grands amours, c'est là où on rencontrait nos premières go, je les avais connues longtemps avant, mais nos go, c'est là où on faisait tous les freestyles, les compagnies. Exact. Tu rappais? Oui. Quand j'étais jeune, je rappais, bien sûr. T'as des restes, tu dois avoir des restes. En fait, je veux te dire très clairement, et je ne veux pas citer de nom, mais à des gens là aujourd'hui que tu vois dans le milieu du rap, qui m'avaient dit à l'époque, toi là, t'es lourd, faut continuer, mais j'ai un problème. C'est que je n'ai jamais aimé faire ce que tout le monde fait. Okay. Ça, je te le dis, dès que tout le monde fait un truc, c'est un truc que je vais délaisser, je vais essayer d'aller à l'étape supérieure. J'ai jamais aimé ça. Et tout le monde, tous les frères rappaient, tous mes potos rappaient. D'accord. Donc, à un moment donné, j'ai dit non, je vais pas faire ça. Je me disais non, je mérite mieux que ça. Mais respect, hein, j'ai plein de frangins dans la rap. Donc, donc voilà. Mais c'était mon destin me paraissait beaucoup plus à un autre niveau, à mon sens. Voilà. Et donc, du coup, Kémy, tu disais que c'était à cette période-là que tu as eu un déclic. Non, le déclic, je l'ai eu très jeune. Hein. Quand tu te fais fouiller à 6 ans dans un supermarché, on fouille ta mère, alors que ta mère, c'est un ancien mannequin qui est très classe, etc., qui est habillé toujours de la meilleure des manières, que toi, tu as 5 ans, 6 ans, et que tu es avec ton petit frère, on te fouille. Ça, parmi tant d'autres, hein, parce que les exemples, si je commence à les citer, j'ai créé juste un livre dessus. Mais j'aime pas ça, tu vois. Et tous ces événements-là ont fait que Kémy Séba n'est pas né en 99. Kémy Séba, il est né dès son enfance, clairement. D'accord, ouais, c'est des choses qui sont restées. Qui... Ce sont des éléments constitutifs du destin, c'est pour ça que je dis toujours que je ne me plains jamais de ce qui arrive, parce que toutes les épreuves me renforcent. Je ne vais pas ressortir la phrase bateau de Nietzsche qui disait « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Exact. Mais la phrase que moi je dis, c'est que ils ont voulu me noyer, la vie a voulu me noyer, elle m'a appris l'apnée. Ça, c'est une réalité. Voilà. Moi, Kémy, je t'ai connu vers 2008. D'accord. 2008. Oh, c'est tard. Ah, c'est tard, c'est beaucoup plus tard, mais je ne suis pas très vieux non plus. Je t'ai connu vers 2008. Je sais que, bon, on a des gens en commun. On va taire le nom, tu sais très bien. Mais je t'ai connu en 2008 parce que j'ai vu un KS virulent qui allait sur la place Carré à Châtelet, qui haranguait la foule, etc. C'est une étape de ta vie que tu regrettes, que tu assumes fièrement, qui t'a aidé à t'aguerrir. C'est quoi? Je regrette jamais. Moi, je ne suis pas un gars qui regrette. Hein. D'accord. Tout ce que je fais fait partie du destin. Donc, jamais. Toutes ces étapes ont permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Tu vois? Et il fallait qu'on passe par cette étape en France, que ce soit Trébuca, quand ça a été interdit, on a dû trouver d'autres stratégies pour continuer à passer le message. Et on a élargi après le discours parce qu'on a rencontré des gens de tous les peuples qui étaient confrontés aux mêmes adversaires. Absolument. Et jamais je regrette. C'est ce que je réussis à faire aujourd'hui quand je réussis à remplir des gymnases, des salles dans différents pays où on va. C'est parce qu'il y a eu des étapes comme celle de Châtelet où, c'est clair. Où on faisait les meetings dans la rue, c'est comme clair. Ça. Bien sûr. Donc ça fait partie de l'école. On en reparlera tout ça. Mais quand je parle aussi de regrets, c'est, tu sais, il y a des fois...
Et moi, je suis tombé également sur des vidéos où tu avais des propos, tu sais, même notamment vis-à-vis de l'islam, etc., où moi, je te rejoignais pas forcément, mais quelques années après, tu es revenu sur tes propos. Tu vois ce que je veux dire, je n'appelle pas le terme regret. Le regret, tu parles à Dieu, d'accord, pas aux hommes, tu vois. Mais la vie est faite d'erreurs. Exact. Mais de réussites. C'est Mohamed Ali qui disait que l'homme que tu as à 20 ans et l'homme que tu as à 40 ans, si tu es le même homme à 20 ans qu'à 40 ans, c'est que tu as perdu 20 ans de ta vie. Exactement. Donc ça, c'est des choses entre l'homme et Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais toutes ces étapes ont permis que je sois celui que je suis aujourd'hui. Donc il a fallu, c'est le destin. Bien sûr. Je crois foncièrement au destin. Il a fallu qu'à un moment, je suive un chemin. Il a fallu à un moment peut-être que je blesse des gens, tu vois, c'est malheureux. Et qu'après, je sois capable de leur dire, là-dessus, je me suis trompé. Et puis, je n'aurais pas dû dire ça, etc. Et puis, on passe à autre chose. Mm-hmm. Mais après, la réalité, c'est le contenu, c'est toi et toi-même. Et c'est le divin, ce n'est pas les hommes. C'est le poète Lézanne Paris-Crous qui disait, seul Dieu peut me juger. Mm-hmm. Donc, c'est entre toi et Dieu, tu vois. Et l'essentiel, c'est de parler, de lui parler, de lui dire là-dessus, est-ce que j'ai bien fait? Non, là, je n'ai pas bien fait. Introspection. Et ceux qui me connaissent, mes proches, savent que je suis quelqu'un qui est dans l'introspection quotidienne. Et à une époque, j'étais très virulent contre toutes les religions. J'ai commencé, j'avais 19 ans, frère. C'est clair. J'en ai 39 aujourd'hui. C'est clair, brother. J'aurai 39 ans en décembre. Donc, il est évident que l'homme que je suis à 39 ans est beaucoup plus mature sur beaucoup de points. Bien sûr. Que celui que j'étais à 19 ans. C'est tout à fait normal, tu vois. Non, mais c'est clair, au moins ça le mérite d'être clair. Tu sais, ici, chez We Hustle, on a besoin de tout savoir. C'est la raison pour laquelle. En fait, il n'y a pas de tabou, parce que ça, on le dit. Je suis quelqu'un qui me livre dans mes livres, moins dans la vie publique, mais dans mes livres, je me livre beaucoup. Et je dis les choses. Je dis que ça, je pense être l'une des figures publiques qui s'autocritique le plus dans la communauté noire. Je pense. Donc, il y a des choses, j'ai dit non, là-dessus, je n'aurais pas dû être comme ça. Il y a d'autres choses, même, que je n'ai pas encore dit. Et quand j'aurai le temps, je dirais peut-être que là-dessus, ouais, j'étais trop dur avec. Telle catégorie de gens, avec tu comprends ce que je veux dire, très clairement, bien sûr. Complètement ce que tu veux. Mais ma dynamique au départ, quand je parlais de la religion, c'est que je me disais que les religions avaient aliéné notre communauté et je faisais l'amalgame entre les religions et les hommes n'étaient pas sains d'esprit et qui utilisaient ce moyen religieux pour opprimer notre peuple. Or, en réalité, il faut être capable de dissocier des livres, des écrits, de personnes qui sont spirituellement indigents, tout simplement. Exact. Et il y a des gens bons dans toutes les religions, des gens mauvais dans toutes les religions. Tout à fait. Je suis un grand pérennialiste, c'est-à-dire un très grand étudiant de la pensée de René Guénon. Et ceux qui connaissent l'histoire de René Guénon savent quel a été son chemin. Donc, tout se rejoint. Et la tradition primordiale, le message originel, tout se rejoint et c'est là où tu te rends compte que tu ne peux pas être en opposition avec la dynamique religieuse parce que la spiritualité et la religion sont tous liés, sont tous sur le même arbre. Exactement. L'arbre créé par Dieu. Parce que moi, il y a des grands frères qui, à l'époque, suivaient ton mouvement. Hein. Honnêtement, tu as parlé à des gens pour de vrai, surtout Sarcelles, tu connais, comme je te disais tout à l'heure, c'est une ville remplie de renois, disons les choses comme ça. Et pour le coup, dès l'instant où tu as commencer à parler des religions, entre autres la mienne, moi je te parle clairement, ils se sont un peu détachés de ton mouvement, tu vois mais, ce que je veux dire. Mais je pense que je sais pas à quelle datation tu places, on va se parler crûment. Ouais. Parce que ce dont tu parles, ça parle de 2004. Ouais, bien sûr, bien sûr. On est en 2020. Absolument. J'ai énormément de gens qui nous suivent à Sarcelles, donc je pense que ces gens qui disaient arrêter de me suivre sont les premiers qui m'écrivent aujourd'hui en disant qu'ils me suivent. C'est possible, ça aussi. Je pense. Voilà. C'est possible, frangin. Brother, dis-moi, moi je suis d'origine sénégalaise. Je voudrais qu'on parle de l'épisode Sénégal. À quel moment, si tu veux, tu t'es dit que tu allais switcher là-bas? Que j'allais switcher? Non, c'est même pas un moment précis. C'est que il y a eu un grand frère que j'aime beaucoup. J'aime pas dire le terme carteron, on va dire un frère métis, Fred, qui a créé une grosse entreprise qui s'appelait African Mosaic, d'accord, et voulait créer des pépinières des renracinements. Il avait besoin d'une figure publique pour amener des investisseurs. Donc, j'ai contribué à amener les investisseurs. Il m'a proposé d'être le porte-parole. Il m'a proposé un très beau salaire. Je suis arrivé au Sénégal à la Somone en 2010 ou 2011, bref. Et puis, de la Somone, rapidement, il y a un ministre de Abdoulaye Wad qui avait une association, donc ce n'était pas un truc gouvernemental, qu'on soit clair, qui s'appelait Alliance Panafricaniste. Et il savait que j'étais populaire
auprès de d'un certain nombre de jeunes des universités qui suivaient ce qu'on avait fait en France, etc. Mmh. C'était marrant parce que j'étais diabolisé en France, mais à Dakar, dès que je suis arrivé, j'ai reçu quand même beaucoup d'amour. Et donc, il m'a demandé d'être le porte-parole de son association. Après, avec le temps, j'ai su que son association, c'était une succursale en réalité pour défendre le bilan du président. Donc, okay. On n'est pas resté longtemps. Ok. Quand j'ai su ça. Après, je respecte tout le monde, hein, j'ai pas de soucis, mais c'était pas ma ligne. Mmh. Et à partir de là, j'ai commencé à être invité beaucoup dans les chaînes de télévision au Sénégal. D'accord. Et parmi celles-ci, la 2S TV, le producteur Alioune Diaye, qui faisait une émission qui marchait beaucoup, qui était l'émission équivalente de celle de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, mm-hmm. Le grand rendez-vous, d'accord. M'a demandé de devenir chroniqueur politique pour sa chaîne, donc pour son émission en 2013. Et c'est ça qui a permis de faire exploser la parole en Afrique francophone, très clairement. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, de ces expériences-là ? Du Sénégal ou de la télévision ? Du Sénégal. Du Sénégal, c'est... Dans un premier temps, du Sénégal. C'est la période qui m'a permis de me réenraciner en Afrique. C'est okay. Une période, pour moi, extrêmement importante. Extrêmement importante. C'est une période intellectuellement, psychologiquement, qui m'a apporté énormément. Mes enfants, à titre d'exemple, je disais ça tout à l'heure lors d'une autre interview, ma fille, par exemple, sur Internet, quand elle se présente, elle met béninoise, sénégalaise, camerounaise. Bien. Tu comprends ? Carrément. Donc, parce que le Sénégal, ça a été les premières années de sa vie. Et c'est pour ça que ça m'a fait très mal quand j'ai vu le président Macky Sall se comporter comme l'esclave du néocolonialisme. Ça m'a fait très mal. Parce que je pense que le pays de El Hadj Omar El Tidiane, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Momodou Dia, etc., de Sharon Tadiop méritait mieux que ça. Tu comprends ? Mm-hmm. Mais j'y ai laissé beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, que je ne peux plus voir pour l'instant depuis des années. Ouais. J'ai été très blessé lors de ma dernière venue, lorsqu'on m'a interdit, qu'en plus les policiers ont fait leur malin à plusieurs contre moi. Je ne suis pas sûr qu'à un contre un, ça aurait été la même chose. Mais on m'a interdit de rentrer alors que j'étais venu pour mon jugement, pour mon procès. Mais tu sais, Gorée... existait. Bien sûr. Donc, y a une majorité de Noirs qui sont là. C'est sûr que les cycles se répètent. Tu comprends ? Et y aura toujours des nègres marrons, et puis des nègres plus marrons que marrons. Marrons pour le colon, mais méchants pour l'homme noir. C'est comme ça. Et ça a été un épisode difficile, mais humainement, qui m'a énormément apporté, et qui a permis que mon message puisse véhiculer. S'il n'y avait pas eu la télé, c'est ça qu'il faut qu'on puisse dire. C'est clair. S'il n'y avait pas eu la télé, je pense que mon message ne porterait pas autant en Afrique francophone aujourd'hui. C'est certain. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens justement de ton expérience à la télé ? Bah, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon émission que je produis, donc là, c'est encore mieux, que je produis intégralement sur Vox Africa, qui est une des plus grosses chaînes en Afrique francophone. C'est le vecteur qui me permet de toucher le plus de gens. Parce qu'on parle d'Internet, mais en Afrique, les gens sont encore beaucoup à la télé. Exactement, c'est quelque chose. Complètement. Et c'est dans la rue, à chaque fois qu'on marche dans tous les pays où on va, c'est dans la rue que je réalise que la télé, là, c'est un truc. C'est un impact. C'est un impact réel. Mm-hmm. Internet, je m'en sers peut-être un peu plus. Bon, il y a continent quand même, parce qu'évidemment, tout le monde a de plus en plus de jeunes ont Internet. Absolument. En Afrique, évidemment. Mais la télé permet de toucher les foyers. Des gens, il y a des papas et des mamans qui ne sont pas sur Internet, exactement. Mais qui sont toujours à la télé. Et c'est une expérience extraordinaire qui m'a permis de fluidifier mon message, qui m'a permis de me confronter, parce que les débats permettent de s'améliorer aussi, toujours. Bien sûr. J'en ai fait mon métier de débattre, donc c'est aussi important. Bon, même si maintenant, aujourd'hui, j'ai mon émission, donc j'ai même plus besoin d'être en mode... interviewer des gens qui m'intéressent pas. Là, maintenant, je prends mon émission, je dis juste ce que j'ai à dire, je parle à des millions de gens. C'est ça. Mais c'est une expérience exceptionnelle. La télévision, après, je fuis tout ce qui est le showbiz. Parce que quand tu rentres dans la télé, après, t'as le showbiz africain, etc. C'est un milieu complexe qui m'intéresse pas trop, même si j'y ai été confronté de facto. D'accord. Mais la télévision est un outil extraordinaire d'ingénierie sociale pour le combat politique que je mène. Moi, je suis un passionné du film Inception. Mm-hmm. Déposer une idée dans la tête des gens, la télévision te permet de déposer une idée dans la tête des gens et de les faire avancer vers une démarche d'élévation. Moi, je ne fais pas ça pour une ingénierie sociale négative, mais pour une ingénierie sociale d'élévation, bien sûr. Et je voulais aussi... c'est quoi ton point de vue sur la relation diplomatique entre le Sénégal et la Chine, pour rester dans le thème du Sénégal, hein, bien sûr. Il y a tellement à dire. Ce serait difficile de donner une grille de lecture simple dans la perception que les gens aiment donner en disant la Chine méchante parce qu'elle est en train de coloniser l'Afrique. C'est compliqué. La Chine n'a pas fait que des choses mauvaises. Après,
J'ai jamais été, moi, à titre personnel, un très grand amoureux de la relation Chine-Afrique. Mais je regarde quand même qu'ils ont construit beaucoup de choses. Ils ont aidé à construire beaucoup de choses sur le continent. C'est les hôpitaux. Mmh. J'étais en Côte d'Ivoire, je voyais aussi, ils ont construit beaucoup de choses là-bas, énormément. Ok, ok. Donc, c'est difficile d'avoir une grille de lecture unique. C'est plurisectoriel, la réflexion à avoir en ce qui concerne la relation Chine-Afrique. Mais il y avait Cheikh Tidiane Gadio qui avait eu des problèmes parce qu'il avait fourni, je crois, des marchés. Je ne suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr à vérifier. J'aime toujours dire les choses que je maîtrise. Donc, je ne suis pas sûr, je précise. À la Chine, il y a du bon et du mauvais à prendre par rapport à la Chine. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt que Chine-Afrique, c'est Afrique-Afrique. D'accord. Ou Afrique et diaspora afro. Voilà. Ok. Parce qu'il y a Akon, du coup, qui a dit que, lors d'une interview, que la Chine était ce qu'il y avait de mieux pour l'Afrique. Tu vois ? Moi, tu sais, j'aime pas... sauf circonstances obligatoires où t'es quelqu'un qui manque de respect, là je t'éteins. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui aime mal parler des frères. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Akon, déjà, je trouve qu'il a beaucoup d'amour pour notre peuple, comme beaucoup d'entre nous. Chacun fait en fonction de ses réalités. Mm-hmm. Et je veux pas commencer à dire, ouais, il dit n'importe quoi. Je trouve que c'est pas mieux, c'est pas mature de faire ça. Mm-hmm. Si tu me manques de respect, là, je vais réagir. Et encore, je réagis une fois, après, je le fais pas deux. Ouais. Parce que c'est de donner trop d'importance. D'accord. Moi, j'y tue, je parle pas de toi. Non, mais... T'as bien compris. On est des brothers. Arrête-toi. T'es ma famille. Mais ouais, mais je te disais, justement, pourquoi je me permets de te parler de ça, c'est parce que j'ai vu des réactions ici et là, des gens qui disaient, ouais, voilà, Akon, on n'est pas down avec ce qu'il raconte, etc. Tu vois, c'est... Et moi, je voulais avoir ton ressenti, les gens et ton donné. Franchement, ce que je pense, c'est que les gens aiment beaucoup critiquer. Ouais. Surtout dans la diaspora. Hmm. Parfois, c'est gratuitement. Il faut encourager tout ce qui se fait. Je t'ai dit, hein, plein de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord qui fait. Mais il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. Mm-hmm. Pour de vrai. Tu comprends? Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. C'est quelque chose qui manque. Il y a tellement peu de gens qui ont des initiatives. D'accord. Que quand il y en a, ouais, il faut garder ce sur quoi on n'est pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a plus rien de privé. Mm-hmm. Donc tout ce que tu dis en com, c'est une opinion qui devient publique. Tu comprends? Carrément. Et il ne faut pas que les autres voient les désaccords qu'il peut y avoir. Je le dis encore une fois, sauf exception, parce que être noir n'est pas une profession. Donc, c'est pas parce que t'es noir que t'es mon frère. C'est clair. Sankara était, moi, j'ai vécu de la trahison à plusieurs reprises dans ma vie. Bien sûr. Bon, j'aime pas ce qu'ils deviennent depuis. Mais je comparerais à trahir Sankara, Mobutu à trahir Lumumba. C'était différent, mais à mes yeux, oui, quand même. La trahison, comme disait Cabral, la trahison, c'est un cancer, c'est de notre peuple. Donc, il faut qu'on apprenne à s'aimer et à transcender ce qui nous sépare. Moi, je suis convaincu qu'il y a des points de désaccord très nombreux que je peux avoir avec toi. Mais tu vois, tu vas jamais m'entendre dire publiquement, ouais, je suis pas d'accord avec lui sur ceci. J'ai passé cette tâche, j'ai plus le temps pour ça. Puis là où je suis, là, j'ai pas besoin d'arabaisser quelqu'un. Pour faire ce que j'ai à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc, Akon, il fait son truc. Beaucoup qui ont son argent, ses moyens, parce qu'il a eu de l'argent dans le rap. C'est clair. Il n'a pas fait biochimie, ou il n'a pas fait... Tu vois, mais il a de l'argent dans le rap. Mais l'argent, il aurait pu s'en servir que pour des foutaises. Il a investi dans beaucoup de choses. Et pour son peuple, il n'était pas obligé. Tu vois? Et maintenant, s'il dit que les Chinois l'aident pour sa ville qu'il fabrique, là, qu'il construit, Akon City, les Chinois, ils ont qu'à l'aider. Un jour, ce sera des Noirs qui aideront les Noirs. Mais il fait ce qu'il peut. Il faut qu'on apprenne cette mentalité-là. Et ça, il faut retenir ça, c'est important. Encourager les nôtres, nos frères et nos sœurs, quel qu'en soit le chemin, tant qu'ils veulent faire pour leur peuple, il faut faire. Tant qu'ils sont respectueux, tant qu'ils sont dans une démarche d'entraide, tant qu'ils ne sont pas dans une démarche d'attaquer ou de calomnier gratuitement des gens. Parce que ça, c'est un truc, moi, je te le dis clairement, c'est un truc sur lequel je ne joue pas. Mais à part ça, il faut encourager les gens. Il faut encourager les gens. C'est quelque chose qui nous manque, surtout dans la communauté noire diasporique en Europe. C'est une réalité. Ça nous manque, ça. On a la critique très facile. D'accord. Après, ça touche ceux que ça doit toucher. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer. En tout cas, parenthèse fermée, le message est passé. KS, dis-moi, brother. Quel serait, toi, pour le message à la jeunesse africaine? Tu leur dirais de foncer vers l'Europe, parce que l'Europe, c'est l'Eldorado, où, justement,
les gars. Tu connais la réponse. Bien sûr. Non, mais parce que tu sais pourquoi je te dis ça. Parce que là, justement, tu le sais, bien évidemment, mais au Sénégal, on a retrouvé pas mal de morts, etc. Donc, moi, je voulais savoir c'est quoi. Parce que finalement, eux, quand on parle justement au peuple sénégalais, quand on parle au peuple sénégalais, ils ne veulent pas entendre ce qu'on a à leur dire, nous qui sommes actuellement en Europe. Tu comprends? Mais c'est très. Mets-toi à leur place. Bien sûr. C'est très difficile pour des gens en Europe de leur dire venez pas, alors que la communauté en Europe y est. Mm-hmm. Et puis elle revient parfois en été avec des tenues bling-bling. C'est clair. Elle est parfois dans des hôtels 5 étoiles, etc. C'est difficile de dire aux gens qui sont sur place non, venez pas, alors mm-hmm. que la communauté y est. Moi, j'ai fait ce travail de rentrer il y a 10 ans. Mm-hmm. Donc quand je leur dis restez, c'est mieux ici, sur le terrain, ils vont m'écouter parce qu'ils se disent mais pourquoi lui, il était là où il y avait tout et il décide de rentrer et de vivre comme nous, etc. Donc, ils vont plus écouter. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Mais il faut, faut les comprendre. Et, mais non, moi, je vois l'Afrique comme un banc en or massif. Et l'Africain comme... donc, nous autres Africains, comme des aveugles qui faisons la manche à des gens qui ont moins que nous et qui prennent des parties de notre banc pour nous donner des miettes. Mmh. Qui prennent la plupart des lingots. Et petit à petit, la hauteur du banc diminue. Et à la fin, on va se retrouver à terre parce qu'ils auront pris tout ce qu'ils ont à prendre. Donc, il faut rester le paradis sous nos pieds. Voilà. Et je suis un garveilliste fondamental. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que le retour en Afrique est plus que nécessaire. Moi, je n'ai jamais été aussi épanoui humainement, intellectuellement, psychologiquement que depuis que je suis en Afrique. Je suis bien. Je suis tellement bien en Afrique. Je suis bien. Je me lève le matin, je vois mes semblables. D'accord. Je me couche le soir, je rentre le soir, je vois mes semblables. Il m'arrive de voir des gens de temps en temps d'autres ethnies. Des Blancs, des Libanais, des Chinois. Mmh. Mais c'est une minorité. On est majoritaire. Mmh. Je suis bien quand je vois les miens. Je vais faire mes cours, je vois les miens. Tu comprends? Complètement. Je vais à la station essence, je vois les miens. Moi, j'ai besoin de ça. C'est pas du racisme, hein, mais je préfère être avec les miens. Et ce sentiment, je l'ai aussi quand je suis aux Antilles. Okay. Je suis content quand je vois les miens. Sauf quand je vois les flics, j'ai jamais compris pourquoi il n'y a que des flics blancs... aux Antilles, quoi que je comprends, puisqu'ils veulent que les Antilles soient encore une plantation, alors que le peuple est libre, normalement, est censé être libre depuis. Mm-hmm. Mais je suis bien quand je suis aux Antilles, je suis bien quand je suis au Brésil, à Salvador de Bahia, avec les afro-descendants là-bas, c'est mm-hmm. extraordinaire. Ça fait longtemps que je suis interdit d'entrer aux États-Unis, mais j'étais bien quand j'allais aux États-Unis, quand j'allais à Watts, à Los Angeles. Mm-hmm. Je suis bien quand je vais au Moyen-Orient, parce que les gens ont des caricatures sur le Moyen-Orient, ils pensent que c'est la région des entre guillemets, des Arabes blancs. Mm-hmm. Ils ne savent pas que le nombre de Noirs qu'il y a au Moyen-Orient, au monde arabe, les gens seraient traumatisés. Il faut le dire. Et oui, il faut le dire, parce que les gens ne maîtrisent pas. J'étais la veille là, avec un Noir saoudien, okay. Très panafricaniste, et je peux vous assurer qu'il y a plus de Noirs qu'on le croit là-bas. Et pareil, je suis bien quand je suis avec les populations originelles mm-hmm. de là-bas. Mm. Non, mais c'est bien de le dire, frérot, tu nous conscientises sur tout ça, et c'est franchement bien. Quel serait, un jeune qui est ici et qui a envie d'entreprendre là-bas, quelles seraient les perspectives d'avenir? Ah, moi, je fais partie de ceux qui disent que les perspectives, il faut les créer soi-même. Okay. La vision, il ne faut pas attendre de l'avoir là-bas. Il faut l'avoir ici. Après, maintenant, il faut aller là-bas, se confronter d'abord au moins un an à la réalité, okay. pour savoir la faisabilité de ton projet. Et il faut déjà être capable de mettre de côté. Est-ce que venir les mains dans les poches en Afrique, tu vas repartir aussi vite que tu es rentré, que tu es arrivé. Mm-hmm. Parce que tout le monde peut rentrer en Afrique, mais tout le monde ne peut pas y rester. C'est clair. Tu vois. Non, 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 l'Afrique, c'est clair. Se mérite. Elle ne s'hérite pas seulement, elle se mérite. Et je pense que le jour, on comprendra que c'est comme une femme, hein, que tu... la plus belle des femmes. Et l'Afrique est la plus belle des mm-hmm. femmes de tous les continents. C'est pas que des fleurs. Il faut des actes dans la continuité. Et c'est quoi la majeure différence entre l'Afrique francophone et anglophone? Ah, il y a beaucoup moins de complexes. Le colonialisme, il est présent partout, mais il est extrêmement moins présent. Et puis anglophones, ils sont déjà passés cette étape. Ils sont déjà un peu plus autonomes. Ça ne veut pas dire que le néocolonialisme n'est pas présent. Bien évidemment, le néolibéralisme économique et sociétal est un néocolonialisme. Mmh. Et les pays anglophones le subissent aussi. Donc, c'en est un. Mais les pays d'Afrique francophone, on est, je pense, la dernière roue du carrosse en Afrique aujourd'hui. Même les pays lusophones, on est plus en avance sur nous, clairement. À quel niveau? Surtout sur le terrain, que ce soit des infrastructures, que ce soit sur le terrain de la politique. Nos dirigeants sont pieds et mains liés. Quand on parle de la France-Afrique, c'est quelque chose qui est beaucoup... Il y a le Commonwealth aujourd'hui, mais le Commonwealth ne pousse pas les présidents africains à être soumis
dans la zone anglophone comme ils le sont dans la zone francophone. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup à ça. La France-Afrique sur le terrain politique, économique, militaire, culturel, c'est une dinguerie. Complètement. C'est une dinguerie. On voit même les Américains, là, Beyoncé, qui se retournent, qui regardent ce qui se passe au Nigeria, au Ghana, etc. Ouais, tu sais, je pense que Beyoncé subit un mauvais traitement parce qu'en réalité, depuis très longtemps, c'est quelqu'un... Elle et Jay-Z ont appris les rumeurs des philosophes de chicha, mais qui disent Illuminati, nanana, franc-maçon, parce que dès que quelqu'un réussit aujourd'hui, il ne peut pas réussir sans être franc-maçon quand t'es noir, visiblement. Ouais. Mais c'est des gens qui, depuis très longtemps, étaient pro-noirs. Donc, moi, je pense qu'elle s'intéressait depuis longtemps à l'Afrique. Avant, ils étaient focalisés sur le Ghana et l'Égypte. L'Égypte, par rapport au patrimoine civilisationnel, ce qui est pour moi une erreur, parce que le monde africain est beaucoup plus vague, vaste que la seule Égypte, même si l'Égypte est importante. Mm-hmm. Et Ghana, parce que capitale du panafricanisme. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui boostent tellement, comme le Nigeria. Bon, t'as envie d'y être. Exactement. Le Nigeria donne l'heure, comme l'Angola dans le monde lusophone aujourd'hui. Il y a des Angolais qui possèdent plus de trucs au Portugal que les Portugais eux-mêmes. C'est exactement ça. Qui sont d'une... Donc il y a des choses. Maintenant, il faut plus de justice sociale parce qu'il y a trop d'écart. Tu as des milliardaires en Afrique, mais vraiment. Mais il y a trop de pauvres encore. Mm-hmm. Et comment t'expliques ça, Brother, que c'est pas la première image qui nous vient à l'esprit quand on pense à ces pays-là? Ça dépend pour qui. Moi, quand je parle avec des personnes, etc., je partage ton point de vue, hein, tu le sais très bien. Mais quand je parle avec certaines personnes, parlons de ce que regorge notre continent, etc., c'est pas la première image qui leur vient à l'esprit. Parce qu'il y a des clichés qui datent depuis, et puis dans la diaspora, on a beaucoup grandi avec l'image, on est venu ici parce que nos parents sont venus ici parce que c'est mieux. Exact. Tu vois ? Exact. Et donc on a grandi avec cette image, on voyage pas, on se dit, ah ouais, là-bas c'est relou. Exact. Alors qu'en réalité, je te le dis très clairement que j'ai vu des coins là-bas. J'étais avec des anciens ministres en Côte d'Ivoire récemment, je ne vais pas citer les noms, parce que comme je suis radioactif en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire à qui j'étais, mais j'étais avec des anciens ministres il y a deux semaines, je voyais leur baraque, c'est plus grand que l'Élysée, frère. Okay. Je n'ai jamais été à l'Élysée, mais je pense que c'est plus grand. Et c'était que des ministres, c'était pas des présidents. C'est ça. Donc d'ailleurs, c'est un peu dommage, parce que normalement, tu ne rentres pas en politique pour devenir milliardaire, tu vois. Mais bon, bref. Exactement. Exactement. Donc au moins, ça a le mérite d'être très clair. KS, je voudrais que tu nous reparles de ton amour pour le rap. Parce que je sais que tu écoutes beaucoup de rap. Tu donnais ton avis. Beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant. Ça pourquoi? Ça fait de nombreuses années que j'écoute beaucoup moins le rap. En fait, j'ai plus le temps forcément d'écouter. Je suis au courant de ce qui se fait plus ou moins dans le rap par mes enfants. Ok. Mes enfants, je leur ai transmis l'amour de Tupac. Ouais. Qui me paraît être le seul poète. Allez y venir. Le seul poète qui me parle beaucoup. Ok. Jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, rap français, je suis incapable de dire, à l'exception du dernier de mon petit frère, la Frisk Orléans. Il a dossé, c'est entre guillemets la famille, enfin, c'est quelqu'un que je connais. Après, il y a des rappeurs qu'on échange, tu vois. D'accord. Et je leur dis, il y a même des rappeurs parfois que je conseille, je ne vais pas citer de nom pour D'accord, pas avoir ouais. de problème. Mais. J'écoute quand même beaucoup moins de musique. D'accord. Ouais, j'ai plus forcément le temps. Je suis dans autre chose. T'es un peu moins sensible aussi. La sensibilité ne disparaît pas. Moins sensible au rap, tu veux ouais, dire? Ouais, au rap. Écoute, je trouve que le rap d'aujourd'hui, franchement... Ouais. Après, si tu veux juste sur le truc, qu'est-ce qui kick, etc. Ouais. Ouais, il y en a qui sont très très bons. Mm-hmm. Nino est très très bon, par exemple. C'est un gros kicker. Niska est un très bon kicker aussi. D'accord. Mais moi, je suis de la génération lunatique. Hein. Mmh. Quand t'as connu Mauvais Oeil, quand t'as connu après Booba t'en mort, t'écoutes aujourd'hui, frère. Mmh. J'aime beaucoup le petit frère Damso. D'accord. Alors, moi, pour ce... Comment dirais-je? J'aime le petit frère. On a eu l'occasion de parler quelques années. Avant qu'il perce, hein, c'est un frère très respectueux, qui a beaucoup d'amour pour sa communauté. D'accord. Après, je ne vais pas commencer à lui créer de problèmes par rapport à ses opinions politiques, mais c'est un bon gars. D'accord. Bon, en tout cas. Et je sais que ma fille adore sa musique. Oh ouais. C'est un scoop là que tu nous sors. Oh non, hein. Scoop, ça ne cache pas. C'est une passionnée de musique, mais c'est une petite artiste. Ma fille. C'est bien, c'est bien. Et. Mais objectivement, le rap me parle beaucoup moins qu'avant. D'accord. Sauf si tu me parles de Tupac. C'est comme la NBA.
aujourd'hui, je suis incapable de te dire les équipes qui jouent dans quoi. D'accord. Moi, je me suis arrêté à la génération Jordan. Ah ouais. Tu vois, non, moi, je suis obligé de foot. Il n'y a que le foot que je suis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. PSG. Oui, ça, j'ai pas le choix. Ah, bon, allez. J'allais au parc. On a encore plus, frère. Quand j'étais gosse, j'allais au parc depuis quand j'avais 13 ans. Quand je suis arrivé en région parisienne en 95, quand j'avais 14 ans, j'allais avec mon père et mon petit frère au Parc des Princes. D'accord. Et puis maintenant, c'est marrant parce que la première fois que j'emmenais mes gosses au Parc des Princes, c'était, je crois, il y a 4 ans, 3 ans. Non, 4 ans ou 3 ans, à chaque fois, j'oublie. Mm-hmm. Et on a arpenté le même chemin exact. Mes deux enfants aînés, parce que j'en ai 4. Ma fille est en dessous, mon fils Satérou, et on allait au Parc des Princes sur le même chemin que là où mon père m'emmenait, moi et mon petit frère. Ça m'a beaucoup ému. Je me dis, le temps passe KS. Et voilà, on va parler de ton amour vite fait pour Tupac, mais la thug life, pardon, mentality. Évidemment, on est tous des enfants de cette génération. On est en Medunedja, on parle de Chemchou, les poursuivants d'eux. Je pense que chacun dans son domaine, il y a un peu de Tupac en lui. Mm-hmm. C'est clair et net. Moi, dans le combat politique que je mène, c'est parce que j'ai grandi en voyant un jeune noir qui n'avait aucune loi, aucune limite. Ouais. Si ce n'est les limites qui se fixaient. Et il a contribué, comme des tas d'autres, à me donner de la force, c'est évident. Et est-ce que toi, tu penses que l'art et la musique, de manière générale, peut éveiller les consciences? Moi, je pense à Alpha Blondy, je pense à Tikenja. Bon, c'est des frangins que je connais. Ouais. Mais Bob Marley, j'en oublie. Bob, c'est autre chose. Bob, c'est autre chose. J'aime beaucoup Alpha. Ouais. J'aime beaucoup Alpha. J'étais mangé chez lui la fois où j'ai été expulsé de Côte d'Ivoire. Ok. Dans son palace, là. Tikenja, c'est un frère. Mais Bob Marley, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Non, c'est un autre niveau. Bob Marley, ouais. C'est pas méchant pour les deux. C'est eux-mêmes qui te le diront. Hein. D'accord. Bob, il est à cette musique, ce que Mohamed Ali est à la boxe. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres extraordinaires boxeurs. Tikenja et Alpha sont des monuments du reggae. Mm-hmm. Des monuments du reggae africain. Bien sûr. Des monuments. Mais Bob, c'est le surhomme de ce domaine. Oh. Je le considère comme ça. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de reggae, mais Bob, il était porteur de quelque chose à un niveau qui dépasse l'entendement. Il y a des gens comme ça. Mm-hmm. Voilà, chacun dans son domaine, je pense, apporte ce... Mais non, ce qui concerne la musique, moi, je ne crois pas en la musique qui change les gens. Ce n'est pas vrai. C'est l'homme qui change. C'est comme tu vas me dire, est-ce que la boxe peut changer les gens? Mm-hmm. Ce n'est pas la boxe qui change les gens. C'est l'homme, Mohamed Ali, il a changé les gens. Tu comprends? Bien sûr. Mais dire la musique change les gens, non, je crois pas. C'est pour ça qu'à une époque, quand je regardais les rappeurs conscients, de guillemets, je rigolais. Il y avait une polémique, et ça va être ma dernière question, KS. Il y avait une polémique, sur les rappeurs congolais qui prenaient pas la parole par rapport à ce qui se passait chez eux. Moi, je pense que c'est pas mon rôle de parler de ça. Ouais. Sincèrement, c'est-à-dire, petit frère, que tu sais, les Gims, tout ça, je les connais. Entre guillemets, c'est pas... On ne mange pas tous les jours ensemble, mais on se connaît. La vie de chacun est complexe. Chacun d'entre nous, on a des réalités que parfois le grand public oublie, ne peut pas réaliser. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ce que je fais. Moi, je n'ai pas la possibilité de faire ce que certains font. Il faut respecter, tu comprends? Et ceux qui doivent prendre la parole, en priorité, c'est les gens qui font un combat politique. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas fait pour exposer ses opinions politiques. Il faut être articulé. C'est clair. Sinon, tu finis décapité dans des débats comme non, d'autres. Pas de nom. Ah non, je pense à personne. Okay. Il y a des gens, c'est personne. Je ne vais pas penser à eux. Mais ce que je veux dire, c'est il faut être armé. Il faut être armé intellectuellement. Il faut lire. Il faut se former. Quand je dis il faut lire, ce n'est pas besoin d'aller à l'école du blanc, mais tu dois prendre des bouquins, tu dois lire comme un drogué. Tu dois étudier. Moi, c'est parce que j'ai lu comme un malade mental, et je pense avoir lu plus que la plupart qui étaient même dans les histoires de Sorbonne, etc. Aujourd'hui, tu peux mettre Bac plus 36 devant moi, je vais l'éteindre. Je te le dis franchement. Tu vois? Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il faut aussi être plus souple avec les gens. Il y a des personnes, tu crois que c'est des bouffons, des amuseurs publics, tu sais pas combien ils soutiennent la cause. C'est ça, il faut, tu vois, tu vas voir des humoristes, ah, c'est un bounty, c'est un vendu. Des fois, j'entends des trucs, je souris. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que lui, il donne pour la cause? Est-ce que tu sais comment il soutient? Il faut nuancer les choses. Il faut nuancer. Moi, le message est passé. KS. C'est quoi les futurs projets?
les futurs projets, moi, j'aime pas trop le terme projet parce que je dis toujours que chaque instant, comme dirait l'autre, est une occasion d'établir sa destinée et de faire ce qu'on se doit de faire. Mm-hmm. Donc, je me projette pas en avant. Si je suis dans l'analyse prospective pour prévoir ce qui peut se passer plus tard, mm-hmm. mais je construis les choses au présent. Là, je suis en train de... j'ai acquis un nouvel immeuble pour un nouvel emplacement pour le centre Panaf, pour le relocaliser. Parce que là où il était en hauteur, en altitude. Mm-hmm. Et par exemple, on n'a pas d'ascenseur au pays. Donc, on s'est rendu compte que les personnes un peu plus âgées mm-hmm. ont du mal à monter les étages. C'est compliqué pour eux. Complètement. Donc, on s'est dit, on va relocaliser et on va multiplier les démarches, tu vois. Je ne vais pas trop m'avancer, mais on est en train de grossir les choses sur le terrain d'une structure de microcrédit pour la population au pays. Parce que les microcrédits, c'est, quand c'est bien fait, ça peut vraiment booster l'économie, d'accord. créer de l'emploi, mm-hmm. c'est important. L'ONG, toujours sur le terrain des actions sociales et politiques. Et puis, de toute façon, c'est un truc que je cache de moins en moins. On m'a proposé récemment d'aller aux législatives au Bénin, le premier parti d'opposition. On m'a proposé, entre guillemets, opposition, parce qu'il n'y a plus trop d'opposition au Bénin. Mm. Mais elle m'a proposé d'avoir une très bonne place aux législatives. J'ai refusé parce que je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et chaque chose se fait en son temps. Mmh. Mais il va arriver un moment où, évidemment, je rentrerai dans le combat institutionnel. Ça fait 20 ans que je fais du combat au niveau de la société civile. Mmh. Je pense, sans trop m'avancer, être arrivé à un niveau qui n'est pas accessible de tout le monde. Mais dans ce domaine-là, je pense avoir fait beaucoup, avoir ouvert beaucoup de portes, avoir sensibilisé énormément de gens et faire avancer beaucoup de questions de société. D'accord. Je le vois partout, dans les rues où on passe. Maintenant, dans les rues noires où on passe. Maintenant, je suis à une période de ma vie où je sais que le moment venu, je ne suis pas pressé, ce n'est pas une course, mais le moment venu, je rentrerai, je franchirai le pas de la sphère institutionnelle. Je suis très jeune dans la politique institutionnelle, mais je pense sur le terrain de la société civile, c'est comme si tu me dis... j'ai l'impression d'avoir fait le tour comme Hamilton en Formule 1. je me comprends. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Et je continuerai à le faire, hein, ce n'est pas le problème. Mais je prépare, que ce soit dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais je me prépare pour des étapes futures. Si on ne me tue pas avant, c'est en tout cas le chemin, s'il plaît à Dieu, vers lequel je me dirige. En tout cas, bro, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Sincèrement, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, franchement, je tenais à te remercier, bro, pour ta disponibilité, ta franchise. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien, on a parlé pas mal de choses. Même si on n'est pas d'accord sur tout, mais à la fin de la journée, t'es toujours mon brother. Et c'est ça le plus important. Je me méfie des gens qui disent qu'ils sont d'accord sur tout, même avec leur femme, avec leur frère, leur père. Dieu nous a fait chacun unique. C'est ça. Et donc, chacun est porteur d'un message et d'une sensibilité. Exact. Et t'es marié ? Marié. T'es d'accord avec ta femme sur tout ce qu'elle dit ? Oui, je veux pas de problème. Là, t'es dans le matriarcat, c'est bien. Non, c'est très bien. Mais je suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec ce que tu dis. Mais on avance, parce que c'est la complémentarité qui fait les choses. Moi, je suis pas d'accord avec plein de trucs que tu peux penser. Bien sûr, bien sûr. J'ai vu. Mais moi, je te booste et je t'encourage. Merci, mon brother. En tout cas, sache que ça me touche sincèrement, bro. Et la porte de WSL te sera toujours ouverte. Ça, c'est certain. D'accord. C'était le chairman et 500. Tu peux inverser, c'est correct. Avec l'homme que l'on nomme Kemi Seba pour WSL. Mes paroles valent tiers. Peace. Merci, mon frère. We hustle, baby.